Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes à vivre. Merci pour ta présence, ton amour, ta bonté, papa. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Toute la gloire te revienne, Adonai, Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua, Seigneur, nous prions pour ton peuple afin que leurs yeux s'ouvrent. Seigneur, notre roi, béni sois-tu, toi qui nous sauves, toi qui nous sauveras, toi qui nous as sauvés. En ton nom, Yeshua, nous prions, Dieu de gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes en direct. Il y a tout un groupe de frères et sœurs avec moi. Il y en a qui viennent de se convertir. Alors, on les a tous embarqués ce soir. Voilà, donc, ce soir, c'est questions et réponses. On va commencer avec les questions de je ne sais pas qui a des questions à poser ici. Là. Bon, ben, on y va. C'est parfait, on te donne le micro. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter là-bas? Il a allumé. Voilà. Je m'appelle Sika. Ok, Sika. La question que j'ai, elle est basique en fait. Que signifie le mot sacerdoce? Alors, que signifie le mot sacerdoce? Sacerdoce signifie simplement service. Et ce n'est pas. Dans la version de Lamartin, il a été le mot utilisé par. Le mot hébreu traduit par sacerdoce, par le second. Martin l'a traduit par sacrificature. En fait, c'est le service dans le temple. Sous Moïse, bien sûr. Donc, c'est quand les sacrificateurs allaient offrir des animaux dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, dans le temple. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, le sacerdoce, sous la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, se manifeste en trois, n'est-ce pas, pôles, en trois directions. S'exerce en trois directions. Premièrement, dans l'adoration. Tous les chrétiens sont appelés à adorer, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous adorateurs, tous chantres, tous appelés à servir le Seigneur dans la prière, tout ça, dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Donc, par notre vie sanctifiée, Dieu est adoré. Et la deuxième chose, le deuxième point, ou la deuxième direction par rapport au sacerdoce, c'est la communion fraternelle. Le fait de fréquenter des frères et sœurs, des chrétiens comme nous, avec lesquels on peut prier, partager la parole. Et troisièmement, le sacerdoce se manifeste dans l'évangélisation envers ceux du monde. Donc, d'abord, c'est de l'adoration. Ça, c'est la base, l'adoration, la relation avec le Seigneur, l'intimité avec Dieu. Et voilà, donc, il est dans Romains chapitre 5. Et Paul nous dit... Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc la mort du Seigneur Yeshua, comme tu le sais certainement, nous a réconciliés avec le Père. Ça, c'est le premier point dans notre sacerdoce, ce qu'on appelle aussi le sacerdoce universel. D'ailleurs, c'était un de points et développé par Calvin, donc Jean Calvin, et il a beaucoup combattu pour pour cette vérité, n'est-ce pas? Parce que les chrétiens à l'époque catholique, bien sûr, étaient exclus du sacerdoce. On leur disait que seuls les prêtres, n'est-ce pas? C'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement, pouvaient s'approcher du Seigneur. Voilà. Donc Calvin, qui était catholique avant, prêtre catholique, et comme Luther également. Les deux ont lutté contre ce mensonge. Donc, ils ont combattu pour que les chrétiens accèdent, n'est-ce pas, au sacerdoce universel. C'est-à-dire le fait d'adorer Dieu sans intermédiaire humain, le fait de communier avec des frères et sœurs, sans forcément qu'il y ait un prêtre ou pasteur au milieu d'eux, et le fait aussi d'évangéliser dehors, sans qu'il y ait un chef pour tout orchestrer, tout organiser. Donc, voilà, le sacerdoce universel. Et sacerdoce royal, ça veut dire quoi, Pharaon? Ça veut dire quoi? Et le sacerdoce royal, en fait, le sacerdoce universel, ou la sacrificature de chrétiens sous l'ordre de Melchisédek, selon Hébreu, est un sacerdoce royal. Et Paul le dit, Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, pardon. Est-ce que tu peux le lire? Je vois que tu as la Martin, là, l'Osterwald. Voilà, c'est bien. Tu peux prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 9, s'il te plaît.
1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous voyez, la sacrificature royale. N'est-ce pas? J'aime beaucoup ce terme, la sacrificature royale. Donc, c'est-à-dire littéralement, lorsque Christ est mort à la croix et ressuscité, en fait, il nous a, ceux qui le reçoivent, donc deviennent naturellement, ils sont établis par Christ comme étant sacrificateurs et rois. Et ça, c'est magnifique. Cela veut dire que nous exerçons notre sacrificature, non pas dans un temple construit par les hommes, mais dans le temple céleste, devant le trône. Et c'est pour cela qu'il est dit que Jésus-Christ est le roi des rois. Donc le roi des rois, ces rois-là sur lesquels Christ règne, c'est d'abord les chrétiens, ensuite les rois de ce monde. Mais c'est d'abord les chrétiens. Donc nous sommes rois et sacrificateurs. Cela veut dire que, en tant que roi, nous régnons sur le péché. Nous avons le bâton de commandement pour donner des ordres aux démons. Et ils nous obéissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est magnifique. Et donc tu as, tel que tu es là, tu as l'onction royale parce que tu es chrétienne. Donc l'onction royale n'est pas, n'est-ce pas, l'apanage des pasteurs, n'est pas une, quelque chose qui est réservé à une élite. Donc tu as l'onction royale tel que tu es là, tu es établi comme, je dirais, roi, reine, et, en Christ, dans le royaume de Dieu, et sacrificateur en même temps. Cela veut dire que, il faut comprendre que les rois règnent, bien sûr, commandent, dominent, ordonnent, commandent, donnent des ordres. Et en tant que sacrificateur, eh ben, nous allons devant Dieu pour exposer les problèmes du peuple, exposer les problèmes du monde. Et ça, c'est magnifique. Donc nous sommes, en tant que sacrificateurs, nous sommes intercesseurs pour intercéder pour les autres. Nous sommes établis comme des défenseurs. C'est ça, être sacrificateur. Défendre le peuple, défendre les hommes devant Dieu. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, et en tant que sacrificateur, eh ben, on n'a plus à payer la dîme. Parce que les sacrificateurs, sous la loi de Moïse, ne payaient pas la dîme. Ils prenaient la dîme des Lévites, la dîme de la dîme. Donc, tel que tu es là, tu es sacrificateur. Donc, aucun pasteur ne doit plus te demander la dîme parce que on ne la payait pas, les sacrificateurs ne la payaient pas. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà. Merci. Adieu. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y a des frères et sœurs, des gens qui appellent aussi, qui ont des questions, certainement, à l'équipe technique. Il faudrait qu'on voit ça pour ne pas qu'ils se sentent exclus. Voilà. Moi, j'ai une question. Ben, je vais juste rebondir sur ce que la sœur a dit. Alors, comment s'exerce le service? Il y a combien de sortes de services? La sacrificature. La sacrificature, comment elle s'exerce en fait? Ok. Alors, comme on l'a vu, le sacerdoce universel ou la sacrificature royale dans laquelle nous sommes établis, nous et chrétiens, et, s'exerce en trois directions. Donc, maintenant, la première direction, parce qu'en fait, est-ce que c'est possible, l'équipe technique, d'avoir un tableau? Et comme ça, on va creuser encore un peu. Là, on va aller en profondeur. J'aime beaucoup aller en profondeur aussi parce que ça peut permettre aux frères et sœurs d'être éclairés, parce qu'il y a tellement de faux pasteurs, des faux prophètes aujourd'hui qu'il faut que les enfants du Seigneur soient éclairés. Parce que je sais qu'ils sont connectés ce soir, ceux qui pensent que j'ai un milliard de vies là, donc que je suis même ton bailleur trésor, j'ai découvert ça aujourd'hui. Mais je serai même ton bailleur. Donc d'ailleurs, j'attends mon loyer à la fin du mois. Ils ne savent plus quoi dire, quoi inventer. Ils le tiennent du diable, ça c'est sûr, parce qu'il est le père du mensonge. Donc voilà, que je m'appellerai pas Chora, mais Massamba. Alors, bientôt ils vont dire que je ne suis pas français d'origine congolaise, mais ils vont bientôt dire que je suis d'origine suédoise. Donc, et ils vont même dire qu'il n'est pas noir, en fait il est chinois. Donc tellement qu'ils ne savent plus quoi dire en tout cas. Mais vous savez, heureusement que les chrétiens voient clair. Parce que je pense que quand on dénonce le système religieux, ils veulent à tout prix aussi que nous soyons tous comme eux. Voilà, ils veulent nous intimider. Alors, honnêtement, on n'en est pas là. Donc, on vous bénit au nom de Yeshua. Au contraire, vous faites la pub pour nous. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, on ne va pas s'arrêter sur eux. Ça ne sert à rien. On ne va pas leur donner de l'importance. Voilà, en tout cas, ils prophétisent que j'ai plusieurs villas. Donc, ça, c'est des prophéties. Donc, certainement, dans ces villas, je mettrai les orphelins parce que certainement, Dieu va ouvrir des portes dans ce sens, je crois. Voilà, que Dieu soit béni.
Alors, on nous amène le tableau, hein, donc on va creuser pour que les frères et sœurs saisissent davantage ces choses-là. Hein, on en a besoin. Voilà, le service divin. Alors, on va continuer dans la lecture hein, de l'Évangile. J'aime la parole. Et nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Apocalypse 1er, 1 à 4. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, dans la version de Sterval, est-ce que tu peux nous lire le verset 6, s'il te plaît ? À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. Voilà, j'aime beaucoup cette version-là. Et qui nous a fait roi, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Voilà, donc on apprend que nous sommes, nous chrétiens, établis comme rois et sacrificateurs. Et ça, c'est magnifique, chrétiens. C'est magnifique. Donc, en tant que sacrificateur, vous n'avez plus à payer la dîme. Waouh ! Donnez-moi un seul verset dans la Bible où vous avez vu un sacrificateur payer la dîme. Ça n'existait pas. Et d'ailleurs, c'était les Lévites qui l'a payé au sacrificateur, donc la dîme. Et nous ne sommes pas de la tribu de Lévi. Nous sommes de la tribu de Judas. Parce que Yeshua est le lion de la tribu de Judas. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et ensuite, on nous dit qu'il a fait de nous non seulement des rois, mais des sacrificateurs. Alors, on va creuser un peu, justement, la sacrificature, le sacerdoce des croyants. Hein, pour que les frères et sœurs comprennent davantage les choses. Parce qu'on vous a volé votre sacrificature par des pasteurs. On vous a volé votre sacerdoce de tous les jours par ceux-là même qui se mettent en costume et cravate matin, midi, soir, même quand il fait 50 degrés, ils veulent s'étouffer sous leurs mes amis costards et leurs cravates qui sont devenus de véritables serpents. Voilà. Et, ou encore sous les soutanes là-bas, alors qu'en dessous, il y a beaucoup de saleté. Voilà. Donc, et vous savez que je parle, Dieu m'a dit de parler, donc je ne peux plus me taire. Hein, donc c'est à cause de la langue que Dieu m'a donnée que les gens veulent me tuer, mais de toute façon, ils ne vont pas y arriver. Voilà, ils mourront, nous continuerons à vivre, non, Yeshua. Et il faut qu'ils se repentent, et nous voulons qu'ils vivent, au contraire. Alors, la sacrificature des croyants, j'attends le tableau, je crois qu'il y a un problème, le tableau est parti, je crois. Voilà, donc, oh Seigneur, merci mon Dieu, que Dieu soit béni. Donc, il y a trois directions. Alors, l'équipe technique, on attend le tableau. Merci, Laurent. Merci, mon frère. Et voilà. Donc, oui. En attendant, j'ai une autre question. D'accord. Par rapport justement à ce verset qui dit qu'il nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, j'avais demandé un jour à un frère qui m'avait dit que, en fait, nous, on est tous des sacrificateurs, mais que les pasteurs et apôtres et autres sont sacrificateurs au-dessus de nous, pour nous, en fait, si j'ai bien compris. C'est de la sorcellerie. Si quelqu'un te dit ça, et sache que c'est de la sorcellerie. C'est justement ce que nous allons démontrer aujourd'hui, preuve à l'appui, avec des versets bibliques, avec la parole, avec l'évangile, pour démonter justement cette vision pyramidale catholique qui écrase les chrétiens, qui fait que bon, des chrétiens sont devenus dépendants de leur bishop, n'est-ce pas? Dépendants des hommes. Pour le mariage, il faut aller voir l'homme de Dieu pour bénir, alors que c'est écrit nulle part. D'accord? Donc vous pouvez vous marier à la mairie et puis à la famille, c'est réglé, c'est fini, vous êtes mariés. Donc pour faire un commerce, ouvrir un commerce, il faut aller voir un homme, pour ce qu'on appelle l'homme de Dieu, pour bénir vos affaires. Tout ça, là, et c'est pour ça qu'il vous demande les offrandes d'action de grâce.
D'ailleurs, on va vous démontrer que le terme hébreu traduit par action de grâce, ce n'est pas la bonne traduction. Ce n'est pas l'offrande d'action de grâce. Ce n'est pas ça. C'est l'offrande de paix. Ça, c'est un autre enseignement. Et attendez la sortie de la Bible de Jésus-Christ, parce que tout ça, là, s'est développé là-dedans, là, au nom de Yeshua. Il y a beaucoup, les commerces, là, vont fermer, je vous dis. Des pendaisons. Hein? Prends le micro, là. Il y aura des pendaisons, je crois. Je te dis. Il y aura des gens qui vont craquer. Ils vont arrêter leur boulot, ils vont aller chercher du vrai boulot. Ben, ils vont aller s'inscrire au pôle emploi pour trouver du travail et faire des formations à l'AFPA. Vous savez, ce centre de formation pour adultes. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ. Moi, plus on m'attaque, plus on m'accuse forcément, plus l'onction m'excite encore à moi. Donc, ça, c'est clair. Il faut que les enfants de Dieu soient éclairés. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc, on veut nous faire croire que Chora mange l'argent du pain quotidien. Ah, donnez-moi les preuves de ce détournement d'argent. Là. Tout ça, là, c'est... D'ailleurs, mercredi, là, mes amis, Loufiane, qui s'occupe du pain quotidien, il est tellement chauffé à bloc qu'il va vous donner toutes les preuves hein, de toutes les sorties depuis 2000, depuis que ça a commencé. Voilà. Le Seigneur est magnifique et que les enfants du Seigneur soient fortifiés, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Voilà. Des voleurs qui veulent maintenant se faire passer pour des victimes, ça, c'est le monde à l'envers. Voilà, c'est comme un chien qui veut se faire passer pour un chat. Et ceux qui ont le discernement, ils se disent, mais c'est un chien. Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni, Dieu est bon. Alléluia. Vous savez, un chien, même s'il cherche à miauler, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est un chien, il faut qu'il aboie. Même s'il miaule pendant quelques temps, là, même s'il imite le miaulement, un temps viendra, il va commencer à aboyer parce que c'est un chien. Mais tout le monde verra que c'est un chien. C'est pour cela que c'est une question de temps. Hein? Avec le temps, Dieu va dévoiler davantage les choses. Qui est qui? Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre, frères et sœurs. Voilà, nous avons un beau tableau que mon frère nous a préparé. Merci Seigneur. Avec un feutre. Hein? Donc, on nous a préparé là, dans le bureau, là-bas, il y a des feutres. Voilà, nous allons exposer ces choses-là aux frères et sœurs. Merci, Philippe, mon frère. Voilà, ah, c'est parfait. Alors, je dois me mettre debout pour répondre aux questions des frères et sœurs parce que nous sommes au service des frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Et ils ne sont pas à notre service, à nous. Alors, le sacerdoce universel, la sacrificature des croyants. On a lu des passages. Ici, on a vu que le Seigneur a fait de nous, hein, nous chrétiens, parce que Jean s'adresse aux églises. D'accord ? Il ne s'adresse pas aux pasteurs seulement. Il s'adresse aux églises, parce que tous les pasteurs sont frères. D'accord ? Donc, on est tous frères et sœurs. Alors, dans Apocalypse 5, au verset 8, et 8 à 10, est-ce que tu pourras le lire dans ta version, s'il te plaît ? Apocalypse 5, verset 8. Et quand il eut pris le livre, les quatre animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Ok. Voilà. Donc là, il y a un petit chemin que je suis en train de faire dans l'évangélisation. Voilà. Donc là, c'est l'adoration. Voilà. Et là, avec les frères et sœurs, c'est la communion. Fraternelle. Voilà. Donc, je crois que Laurent va nous aider encore davantage, mais merci. Donc, la sacrificature de tous les chrétiens, le sacerdoce universel, hein, Christ est mort à la croix pour nous intégrer, pour nous amener à être dans la sacrificature. Donc, tous les chrétiens sont sacrificateurs. C'est-à-dire, ils sont tous hommes et femmes de Dieu. D'accord ? Maintenant, en tant que sacrificateur, le premier service, parce que le mot sacerdoce signifie simplement service, service dans le temple. Et sous la loi, seule la tribu des Lévites avait le droit d'être dans le sacerdoce. Cette tribu. Et seul, dans cette tribu, Dieu avait pris la famille d'Aaron.
et ses descendants, ses enfants, toute la famille d'Aaron, pour être pleinement dans le sacerdoce, c'est-à-dire aller dans la tente d'assignation, dans le lieu, dans le parvis, le lieu saint et le saint de saints, pour faire le service. Et seul le souverain sacrificateur avait le droit, une fois par an, d'entrer dans le saint de saints. D'accord ? Dans le saint de saints, c'est la dernière partie du tabernacle. Et il y entrait le 10 du 7e mois pour offrir le sacrifice annuel qu'on appelle le sacrifice de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Maintenant, quiconque osait s'aventurer dans le saint de saints était foudroyé. Il mourait automatiquement. Parce que dans le saint de saints, il y avait justement l'arche. D'accord ? Là, il y avait le saint de saints, le lieu saint, et tout ça, là, c'était le parvis. N'importe qui pouvait entrer dans le parvis. Pas de problème. Et dans le parvis, ici, il y avait l'autel d'airain où l'on faisait des sacrifices. D'accord ? Il y avait un bassin ici rempli d'eau pour se nettoyer, se laver les mains, parfois les pieds. L'autel d'airain, c'était l'image de la croix. Le bassin ici était l'image de la régénération par l'eau, n'est-ce pas, de la parole, la naissance d'en haut. Il y avait une première porte ici, une deuxième porte ici. La première porte donnait accès au lieu, au parvis. La deuxième porte donnait accès au lieu saint. Et la troisième porte donnait, n'est-ce pas, accès au lieu, au sein de saint. Trois portes en tout. Et il y avait des rideaux. Maintenant, la première porte, quand on y entrait, on passait par l'autel des reins. Les reins, ce métal, représente la justice, le jugement. C'est pour cela que la Bible nous parle des pieds des reins de Jésus qui écrasent le serpent. On nous parle également du serpent des reins qui était élevé dans le désert, n'est-ce pas, par Moïse. Et quiconque était mordu par les serpents brûlants et regardait ce serpent des reins était sauvé. Et Yeshua dira, de même que Moïse avait, comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, de même que le Fils de l'homme sera élevé. Dans Jean 3, 14 à 16 là-bas. Maintenant, la deuxième porte donnait accès au lieu saint où il y avait, n'est-ce pas, la table de pain de proposition. Il y en avait 12. Et ces pains étaient renouvelés chaque sabbat. Chaque sabbat. Chaque samedi, on devait renouveler ces pains-là qui ne pouvaient être consommés que par les sacrificateurs. C'était leur nourriture. Et la table de pain de proposition parle de Christ, qui est le pain de vie. C'est pour cela que quand il est venu, le Seigneur disait qu'il est le pain de vie. Et ensuite, il y avait le chandelier avec ses sept lampes qui nous parle de cet esprit de Dieu. Les sept yeux de l'agneau, selon Apocalypse. Ça nous parle de l'omniscience de Jésus-Christ. Il sait tout. Il voit tout. Il nous parle, le chandelier nous parle également, le chandelier parle des lampes, le chandelier nous parle des sept églises d'Apocalypse, du corps de Christ. Christ nous a associés prophétiquement dans son, n'est-ce pas, il nous a associés dans son œuvre. Et ça, c'est magnifique. L'œuvre, pas l'œuvre de la croix parce qu'il l'a faite tout seul, mais l'œuvre de tous les jours, n'est-ce pas, les bonnes choses que nous vivons avec le Seigneur. Donc, le chandelier, donc l'image de l'Église et les sept lampes représentent la connaissance parfaite de ce Dieu, l'Esprit de Dieu. Ensuite, il y avait donc le chandelier, l'autel, la table de proposition, il y avait l'autel de parfum. L'autel de parfum. Et là, ben, on offrait des parfums à Yahweh. N'est-ce pas ? Des parfums à Yahweh. C'est-à-dire, une fois que tu es passé par la croix,
tu peux maintenant offrir des parfums agréables à Dieu. Sans la croix, on ne peut pas offrir des parfums agréables à Dieu. D'accord ? C'était impossible. C'est toujours impossible. Ensuite, une fois qu'on a fait l'expérience de la croix dans le parvis, l'expérience de la naissance d'en haut, toujours dans le parvis, on entre maintenant dans le lieu saint pour manger le pain des enfants de Dieu, le pain quotidien. Pourquoi 12 pains ? Hein ? Donc le 12, c'est le fondement. D'accord ? C'est le fondement. Et en hébreu. Parce que le pain, c'est le fondement, le pain quotidien, c'est le fondement de notre journée. Donne-nous notre pain quotidien. Pour démarrer la journée, il faut manger ce pain-là. Ensuite, on mange le pain, la communion avec Dieu, avec le Seigneur. N'est-ce pas ? On mange à sa table. Hein. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. D'accord ? Donc, le sacrificateur qui est passé par la croix, l'autel des reins, qui est passé par la régénération, donc le bassin où il y avait l'eau, il s'était lavé, et ensuite passé par, il pouvait adorer Dieu, là c'est l'adoration ici, là, par l'autel de parfum, il pouvait contempler la lumière de Dieu, le chandelier, il pouvait manger maintenant avec Dieu le pain qu'on ne donne pas aux pêcheurs, le pain qu'on donne pas aux chiens. Ensuite, ici là, c'était interdit. Seul le souverain sacrificateur avait accès à ce lieu-là, comme vous le savez. Et Lévitique 16 nous dit que c'était le jour de Yom Kippour. Et ce jour-là, c'était un jour qui était considéré comme un Shabbat. Même s'il tombait à lundi, ce lundi était considéré comme un Shabbat. S'il tombait à mardi, peu importe le jour de la semaine, ce jour-là était considéré comme un grand Shabbat. Et les Hébreux humiliaient leurs âmes. Et selon les Hébreux, ils disent que c'est ce jour-là que Dieu a créé le monde. D'accord ? Et le jour de Yom Kippour, ce jour-là. Et ce jour-là, le jour de Yom Kippour, le souverain sacrificateur pouvait entrer plusieurs fois dans ce lieu. Et quand il y entrait, on l'attachait avec une corde, avec des sonnettes, de sorte que quand il travaillait, ces sonnettes-là, tout ça, ces crochets, tout ça, là, ces sonnettes faisaient retentir un son et tout le monde savait qu'il était en vie. Et s'il n'y avait plus de son, de bruit, c'est qu'il était mort et on ne pouvait pas entrer là-bas pour aller chercher son corps. On tirait la corde et c'est comme ça qu'on le sortait. Parce que là-dedans, il y avait l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et on ne pouvait pas accéder à cela parce qu'on était pécheurs. Et s'il devait entrer ici, il fallait qu'il soit habillé d'une tiare, son casque, c'est-à-dire le casque du salut, selon Éphésiens 6. D'accord ? Pourquoi ? Pour protéger ses pensées. Parce qu'on ne peut pas s'approcher du Seigneur avec des pensées impures. D'accord ? Et le casque du salut nous parle de Yeshua, Jésus, dont le nom signifie Yahweh et salut. Donc il fallait qu'il s'habille, que sa tête soit couverte par Jésus. Autre chose, il devait porter le pectoral. Le pectoral avait 12 pierres dessus. Le pectoral nous parle, n'est-ce pas, du bouclier de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, il est dit que son nom est la parole de Dieu. Donc, le bouclier de la foi, c'est le bouclier de Jésus qui protège ton cœur. D'accord ? Parce qu'il faut adorer Dieu avec son cœur. Donc, il était couvert avec ça. Et chaque pierre, les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. La première pierre, c'est la jaspe. La deuxième, la dernière, n'est-ce pas ? En fait, la première et la dernière nous parlent de Yeshua. L'alpha et l'oméga, dont il est question dans Apocalypse 4 là-bas. Pierre de jaspe, il est dit ici. Hein. Donc voilà. Et Apocalypse chapitre 4. Et verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Voilà.
Et on retrouve ces deux pierres-là au début et à la fin du pectoral. Vous voyez, le bouclier du souverain sacrificateur. Donc c'est Yeshua. Il devait porter une ceinture. Ceinture de vérité. Yeshua. Il devait porter une robe. Yeshua. Il devait porter des sandales. Le zèle de la foi. Yeshua. En fait, c'est l'habit, spirituellement parlant, que portait Adam avant sa chute. Il pouvait s'approcher du Père parce qu'il était couvert par Jésus, créant l'homme à notre image, et l'image de Dieu, c'est Yeshua. Donc Adam avait ce vêtement-là, il avait Christ. C'est pour ça qu'il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que le souverain sacrificateur, quand il faisait le sacerdoce dans le Saint des Saints, il devait être couvert par Yeshua, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Ces vêtements, la préfigure de Christ. C'est pour ça que Paul dit, revêtez-vous de Christ. D'accord? Maintenant, les étrangers n'avaient pas le droit d'entrer. Déjà, les autres tribus étaient exclues du sacerdoce. Seule la tribu de Lévi, qui avait le droit de démonter le temple. Le tabernacle. Maintenant, les autres tribus exclues. Et les étrangers, les Noirs, les Arabes, les Français, exclus. Alléluia. C'est terrible. Et si on trouvait un Noir là-dedans, on le lapidait. Oh, tu es bon. On va dans Actes des Apôtres. Actes chapitre... Vous aimez l'évangile, n'est-ce pas, frère? Actes chapitre, mes amis, 21. Verset 27 à 30. Quelqu'un peut lire rapidement ? Acte 21, verset 27 à 30. À la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant : Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car il avait vu auparavant Tryphime d'Éphèse avec lui dans la ville, et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans ce temple. Toute la ville fut en émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussi fermées. Dont les portes furent aussitôt fermées. Ils ont cru que Paul avait introduit un grec. Il était blanc, le grec là. Mais comme il n'était pas juif, et particulièrement lévite, ils se sont dit, il a profané le temple. Voilà comment ça se passait. Wow. Quand un grec, quand un allemand, quand un français, quand un congolais, n'est-ce pas, s'introduisait dans le temple, amen, il était aussitôt extirpé par la force de là. Et aussitôt les portes étaient fermées. Il était extirpé du temple. Même l'eunuque éthiopien qui allait chaque année adorer à Jérusalem, il adorait hors du temple. Il y avait un parvis réservé aux étrangers. Il s'arrêtait au parvis. Il ne voyait même pas l'arche. Regardez ce que Éphésiens 2 nous dit, mes amis. Oh, il y a des passages que Dieu donne comme ça là. Oh, on va creuser le sacerdoce. Vous voulez qu'on creuse? Eh bien, Dieu creuse, mes amis. Là. Éphésiens chapitre 2. Dieu est bon. Lisez-nous versets 11 et 13. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous y étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Du droit de citer à Israël. Tu ne pouvais pas prétendre habiter à Jérusalem, toi étranger, là. Déjà, Jérusalem, là, c'était réservé. Hein? Jérusalem, ville du temple, la cité de David. Il y avait aussi une cité, Anatode. Anatode était la cité sacerdotale, réservée aux sacrificateurs. Donc, si un noir arrivait dans cette cité, on lui disait, toi, dors. Hein? On continue. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
sans Dieu dans le monde. Et on continue. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix qui, lui qui des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Attends, on arrête là deux secondes. Là. Il y a ici, là, c'est une démonstration de puissance. Amen. Une démonstration d'amour du Père envers les étrangers que nous sommes. Amen. Par rapport à Israël. Amen. Nous étions considérés comme des cafards. Nous étions considérés comme des serpents. Tous les animaux impurs que les Hébreux ne devaient pas manger, c'était nous. Donc quand Dieu disait « faut pas manger du crapaud », c'était nous. Quand Dieu disait « fallait pas manger du serpent », c'était nous. Quand il disait « les corbeaux ne touchaient pas », c'était nous. Les animaux purs, c'était les Juifs. Maintenant, frère, comment faire? Parce qu'il fallait maintenant que tous ces animaux soient dans le temple. Et Dieu a regardé autour de lui, il n'y avait personne pour faire ce travail. Aucun sang n'était pur pour faire ce boulot. Aucun prophète ne pouvait, n'est-ce pas, briser cette inimitié. Alors, il se dit, moi-même, je vais y aller. Amen. C'est pour cela qu'il est descendu. Et on nous dit ici qu'il est notre paix. Pourquoi? Ceux dont la présence n'était pas souhaitable, était interdite dans le temple, n'étaient pas en paix avec Dieu. C'était comme une inimitié. Et Dieu lui-même se dit, je veux me réconcilier avec eux. Et c'est pour cela qu'il s'est incarné. Amen. Et maintenant, il est venu. Et qu'est-ce qui va se passer? On nous dit que des deux, il n'en a fait qu'un. C'est-à-dire qu'il a pris les Juifs qui avaient cru en lui. Il a pris Pierre, Jacques, Jean. Il a pris Salomon qui est d'origine ivoirienne. Il t'a pris. Il a pris Pierre. Il a mélangé. Amen. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils sont mélangés. Le coin est gâté. Le coin est gâté. Alléluia. Amen. Du coup, quand on regarde Salomon, c'est comme si on voit Pierre. Quand on regarde Pierre, c'est comme si on voit Salomon. Il y a comme une confusion, mais ce n'est pas une confusion. C'est un mélange, un bon mélange qui a donné naissance à un seul corps, le corps de Christ. Amen. C'est pour cela que Paul dit dans Galates 3, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, tous sont un en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il ne doit plus y avoir une église congolaise en France. Amen. Amen. Où il n'y a que les Congolais, où il n'y a que les Ivoiriens. Ça, c'est de la sorcellerie pure. On a eu l'église chinoise à Paris. Ah bon? Vous remettez encore le mur de séparation alors que le mur de séparation a été brisé. Ce qui séparait les nations d'avec Israël, c'était la loi de Moïse. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, mes amis, qu'il a anéanti. J'aime le terme là. Amen. Amen. Il y a eu un anéantissement. De quoi? Des ordres, des lois, hein? De la loi des ordonnances dans leur prescription. Et ça, c'est magnifique. Quelque chose que Dieu a anéanti par sa chair, Yeshua, par sa chair. C'est-à-dire qu'il a souffert pour plus qu'il y ait division entre chrétiens, vrais chrétiens. Il a souffert pour ne plus que les Juifs se réclament de Jésus-Christ d'un côté et les Arabes de l'autre. Ça, c'est la sorcellerie. Nous rentrons dans le sacerdoce. Amen. Sous Christ. Sous la loi, le sacerdoce était une exclusivité lévitique. Sous la grâce, le sacerdoce, mes amis, n'est plus une exclusivité. Mes amis, d'un peuple, tout ça, c'est tout le monde. Tous les chrétiens sont appelés, tous les hommes, hommes ou femmes, noirs, blancs, jaunes, sont appelés à ce sacerdoce. Amen. Ce n'est pas une affaire... L'affaire d'une élite quelconque. C'est pour cela, chrétiens, écoutez bien le message ce soir. Vous devez vomir cette vision ethnique d'église où l'on veut que vous soyez dans les ghettos. On veut vous ghettoiser. On veut vous... C'est de la ségrégation, n'est-ce pas, spirituelle. Si le pasteur est congolais, il faut qu'il y ait que des congolais. Le frère arabe qui arrive, il se sent exclu. Si le pasteur est arabe, s'il est indien, il n'y a que les indiens. Ça, c'est de la sorcellerie. Mes amis, annihiler, c'est plus fort que annuler. C'est annihiler l'œuvre de la croix. Alors que Yeshua a souffert pour ne plus qu'il y ait inimitié entre les races. Donc quand j'entends, oh, église messianique, une église remplie que des juifs, juifs pour Christ, eh bien, nous, les païens, nous sommes originaires de païens. Nous ne sommes pas pour Christ, mais nous sommes pour Christ. Oh, les juifs messianiques. Mais les juifs messianiques, mais nous sommes tous messianiques parce que nous croyons Messie. Amen. Donc, nous sommes tous... L'église de Jésus-Christ est messianique.
Arrêtez avec des termes là pour faire la peur aux gens, pour je ne sais pas quoi. Nous avons maintenant, hier, on n'avait pas le droit de citer en Israël. Mmh. Aujourd'hui, nous avons le droit de citer dans la nation céleste. Amen. C'est pour cela, Hébreux 12 nous dit que nous nous sommes approchés de la montagne des Sion célestes, frères et sœurs. Waouh! Donc nous sommes des Judéens. Amen. Oh Dieu d'Israël. Donc les pasteurs qui veulent une vision africaine en Europe, ils n'ont pas encore compris l'œuvre de la croix là. Voyez? Les pasteurs arabes qui veulent rester entre arabes n'ont pas compris encore le message. Voilà pourquoi il y en a, ils vont faire des sketchs, tout ça, le couscous, je ne sais pas quoi. Là. Voilà, on réduit Jésus au couscous. Alors, hein? À des chants, à des tam-tams. C'est grave. C'est terrible, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous... On creuse encore. Vous voulez qu'on creuse encore, frères et sœurs? On va creuser encore, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Il a anéanti la loi mosaïque. C'est écrit, ce n'est pas Shora qui le dit. La loi dans leur prescription, hein, dans ses prescriptions. Et cette loi et ses prescriptions, c'est quoi? Il fallait payer la dîme. Donc Christ est venu, il a anéanti cela. Parce que tu es devenu sacrificateur. Alors, qui maintenant, à qui toi, sacrificateur, dois-tu payer la dîme maintenant? À personne. Melchisedec, sacrificateur du Dieu Très-Haut, a reçu la dîme de d'Abraham. Maintenant, toi, Salomon, tu es sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, qui avait reçu la dîme. Donc, si un pasteur dit que tu dois payer la dîme, dis-lui, je suis sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, c'est plutôt toi, dans ce cas-là, qui dois me payer la dîme. Parce que je suis non seulement sacrificateur, mais roi. Comme Melchisedec, sacrificateur et roi. Voilà, c'est ça l'évangile, frère. Oh, Dieu d'Israël. Amen. Le message est là, frères et sœurs. La dîme a été anéantie à la croix. Oh my God. Alléluia. Pareil, une autre loi anéantie. Le fait de dire que le bâtiment d'église, un bâtiment est le temple de Dieu. C'est faux! Oh, nous allons construire la maison de Dieu. C'est faux. C'est la sorcellerie. Nous sommes la maison de Dieu, frères et sœurs. Oh, alléluia. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas aller dans un bâtiment pour prier, mais tu es la maison de Dieu. Dieu est en toi. Le sacerdoce commence par là. Jesus Christ. Ouh! Jesus Christ. Ça, c'est magnifique, frères et sœurs. Avant, sous la loi, il fallait passer par Aaron pour aller vers Dieu. Aujourd'hui, c'est fini. Un pasteur qui te dit, passe par moi, tu dis, pasteur, je suis comme toi. Sacrificateur, homme de Dieu comme toi. Donc, passer par toi, c'est une hérésie. Pourquoi pas passer directement? Il y a un seul médiateur, 1 Timothée 2,5, entre le Père et nous. Jésus-Christ, c'est homme. On a bien dit, Jésus-Christ, homme. C'est qu'il est homme et Dieu. Voilà. L'homme en qui Dieu habite totalement. Donc, avant d'aller à l'intérieur, il faut passer par la chair. C'est ça. Frères et sœurs, il faut qu'on revienne à l'évangile. Il faut qu'on revienne au fondement apostolique. Amen. On s'est trop écarté. Le catholicisme romain a remis à l'ordre du jour le sacerdoce aaronique, lévitique. Et ils ont rajouté le mysticisme gréco-romain. Ils ont fait un mélange, mes amis, qui tue. Un mélange compliqué. Et ce mélange-là est perpétué aujourd'hui dans vos églises évangéliques. Où le pasteur sont tout en costume et cravate, ils sont habillés en soutane pour certains, comme les prêtres catholiques, et ils sont assis sur les estrades. Où il y a le tapis rouge, tout ça, et ils ont leur princesse à côté, leur reine à côté. Donc du coup, ben, les chrétiens sont assis plus loin, et plus tu es élevé dans l'assemblée locale, plus tu t'assois à côté du pasteur. Vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque? Vous ne voyez pas qu'on a remis à l'ordre du jour le sacerdoce que Christ a brisé? L'ancien régime. Hein? Vous ne voyez pas, frères et sœurs? C'est pour cela que quand les chrétiens veulent à tout prix nous voir pour exposer leurs problèmes, une fois on reçoit, deux fois on leur dit, on n'est pas Dieu. Vous avez l'Esprit en vous, allez voir le Père au nom de Yeshua. Amen. Voilà, c'est ça le message, frère. Il a anéanti cela. Et Colossiens 2 nous dit quoi? Colossiens, chapitre 2, j'aime cette parole. C'est la démonstration de la puissance de Dieu, frères et sœurs. 2,14. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a effacé. C'est, il avait une grosse gomme. Il est venu, il a effacé la dîme. Il a effacé, mes amis, à l'époque sous Moïse, une femme qui avait ses menstrues n'avait pas le droit d'entrer dans le parvis des femmes. Maintenant, tu peux avoir tes menstrues aller devant le Père. Amen. Père, je vais devant toi au nom de Yeshua. Amen. C'est ça l'évangile. Parce que le sang de Jésus parle mieux que ton sang.
Alors, il a effacé aussi la médiation humaine. Donc, je vais aller voir mon pasteur, tout ça. Là. Il a effacé ça. Il a mis le seul berger, Yeshua. Amen. Il a effacé, mes amis, l'habit du dimanche. Le fait de s'habiller costume pour le dimanche. Tu peux t'habiller en tombe. Tu peux t'habiller en babouche. Amen. Décemment pour aller partager avec des frères et sœurs. Il a effacé tout ça. Il a effacé le Shabbat, le dimanche, comme le jour du Seigneur. C'est faux. Tu peux travailler, trouver du boulot le dimanche et travailler. Voilà. Il a effacé tout ça. Frère, sœur, il a effacé là. Il a effacé le cléricalisme, c'est-à-dire le corps pastoral. Oh, le corps pastoral. Quel corps? Il n'y a qu'un seul corps, Paul dit. Amen. Un seul corps, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu, un seul Père. C'est écrit dans Éphésiens 4. Alors, quel corps pastoral encore? Tout ça là, c'est effacé. C'était avant. Alléluia. Amen. Donc, Hébreux. Là, je crois que c'est l'enseignement de ce soir. Hein. Donc, je crois qu'on va on continue pour éclairer encore les enfants de Dieu. Au nom de Yeshua. Hébreux chapitre 7, mes amis. Ça, c'est magnifique. Verset 11. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Mais ne nous ramenez plus sous l'ordre d'Aaron. Non. Nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Yeshua. Et il est dit ici clairement, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, la sacrificature lévitique, était-il nécessaire encore qu'il paraisse un autre ordre? Ah donc, on comprend par là que le sacerdoce, l'ordre d'Aaron ne pouvait pas amener les gens à la perfection. C'est pour ça qu'il fallait un autre ordre. Alors, il est dit au verset 12, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Or, le sacerdoce d'Aaron était basé sur quoi? Sur quoi? Premièrement, sur les sacrifices d'animaux, offrandes d'action de grâce, tout ça, dîmes, tout ça. C'était le premier point, les sacrifices d'animaux. Alors aujourd'hui, si un pasteur te dit, Salomon, trésor, pour ton problème, amène-moi une offrande. C'est l'offrande d'action de grâce. Simple, si tu as la connaissance, tu dois lui dire tu es un voleur. Parce que l'offrande d'action de grâce, ce n'est pas ça l'offrande. C'était l'offrande de paix déjà. Amen. Je l'aime. On en parlera une autre fois. Et donc, s'il te dit maintenant, amène l'argent, pareil, tu es un voleur. Parce que sous la loi, oui, mais aujourd'hui, c'est fini. S'il te dit, amène un animal, tu vas dire, mais ces animaux-là qu'on a amenés préfiguraient Christ. Et son sacrifice à lui seul suffit. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est mon corps, mon âme, comme un sacrifice vivant, selon Romains 12. Et deuxièmement, le sacrifice, le sacerdoce sous Aaron était basé sur le temple. Il fallait aller absolument à Jérusalem pour adorer Dieu. Personne ne devait adorer Dieu chez lui. Il fallait absolument que les 12 tribus convergent vers Jérusalem. Jérusalem, n'est-ce pas, le temple qui était à Jérusalem était l'épicentre du judaïsme. Tout le monde devait aller là-bas. C'est pour ça que la femme samaritaine dans Jean 4, il dit à Jésus, vous vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Nous, nos pères, ont adoré sur le mont Garizim. Il y avait un temple là-haut. Le Seigneur a dit quoi? L'heure vient. Et elle est déjà venue. Ou ce ne sera plus sur la montagne de Garizim ou à Jérusalem qu'il faut adorer le Seigneur, le Père. N'est-ce pas? Il dit, c'est un esprit et un en vérité. Or, l'esprit n'est pas limité. Amen. Donc, cela veut dire quoi, Salomon? Cela veut dire que tu n'es pas obligé d'aller tous les dimanches dans un bâtiment qu'on appelle l'église, surtout si tu sens que Dieu n'est pas là-dedans. Et ils vont se servir de versets bibliques déformés comme Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas, disent-ils, votre assemblée. Non, l'auteur a voulu dire ceci. N'abandonnez pas la communion. Parce que l'assemblée, c'est la communion fraternelle. Amen. Mais si tu as une communion fraternelle avec des frères et sœurs, c'est bon. C'est bon. Tout est déformé. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens veulent à tout prix bâtir des temples. Mais quel temple allez-vous encore bâtir? Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 66. Quelle maison allez-vous encore me bâtir? Et on va appeler ces bâtiments, mais quel mensonge. On les appelle maison de Dieu. On placarde des versets bibliques sur le mur.
Sainteté à Yahweh. Mais attendez. Oui, mais les gens sont hypocrites parce que là-dedans, ils vont se sanctifier, ils vont bien se couvrir. Mais quand ils sortent de là, chacun reprend sa clope. Des véritables hypocrites. Ils pensent que Dieu est là-dedans. Et on l'enferme après le culte. On le laisse là-dedans. Et puis la semaine, chacun fait son affaire. Le dimanche, on vient ouvrir encore Dieu. La porte, elle sort un peu pour nous assister. Et pendant 3 heures, on va lui faire quelques louanges, là, tout ça, la mécanique. Hein. Acclamer, sauter, crier, machin. Dites je t'aime. Oh, c'est bien, il vous a agréé. Là, c'est ce qu'on appelle le modérateur ou le président du culte. Hein. Il a tout le programme du Saint-Esprit. Le chauffeur de salle. Hein. Préparer la voix du bishop qui va arriver, tout ça, son speech. Oh, mes enfants, tout ça, machin. Tout ça, là, c'est de la sorcellerie, c'est du contrôle, c'est de l'envoûtement. Et mes amis, c'est de... Oh là là, ma langue, là, mes amis, là, Dieu m'a dit qu'il faut parler, alors je n'ai pas le choix. Amen. Voilà, donc le temple, sacrifice, temple. Troisièmement, le sacerdoce sous Aaron était basé sur la tenue vestimentaire. Voilà, tiare, tout ça. Tu vois, non? Donc aujourd'hui, c'est ce que l'on voit dans beaucoup d'églises. Ils ont remis à l'ordre du jour le sacerdoce d'Aaron. Ils sont liés au bâtiment qu'on appelle temple. Ils ont oublié que c'est eux le temple. Ils ont remis à l'heure du jour des sacrifices bizarres. Tim, offrande du prophète, offrande d'action de grâce. Si tu as ton bac, toi tu as ton bac, tu trouves un poulot, tu viens faire une offrande d'action de grâce au pasteur. C'est comme si c'est le pasteur qui t'a donné ce travail-là. Ouais. Donc sans te rendre compte, en lui donnant ton enveloppe comme ça, tu l'adores. C'est terrible. Et autre chose, le sacerdoce sous Moïse était basé sur le Shabbat. Et là, aujourd'hui, on a remplacé cela par le dimanche. Le sacro-saint jour, le jour qui est complètement sacré. Regardez le dimanche, comment ils sont tous bien habillés. Les Africains sont tous en costume et cravate, mes amis. Hein? Tous en... Vous allez voir, ils sont comme ça, là. Et beaucoup de Blancs sont comme ça aussi. Beaucoup de Chinois aussi, là. Ils sont très propres. Avec des grosses bibles. Ils sortent leur tenue de dimanche, là, mes amis. Là. Et ceux qui veulent encore, ceux qui sont mystiques, ils sortent leur soutane. Avec leur crucifix. Grosse. Hein. Voilà, ils sont là. Les autres avec leurs encensoirs. Mes amis, avec de l'eau bénite. Mes amis. Mes enfants, disent-ils, tout ça là. Voilà les oies qui sont assis devant, là, qui se font envoûter, ils ne se rendent même pas compte. Voilà. Alors les autres, c'est les choristes qui chantent. Tac, 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 tac. Coupé, décalé pour les Ivoiriens. Ndombolo pour les Congolais, frère. Alors, c'est du Johnny Hallyday pour les Français que nous sommes, frères et sœurs. Hein, du Frankie Vincent, mes amis, là, pour les Antillais. Hein, du Michael Jackson pour les Américains, frères et sœurs. Pour les Asiatiques là-bas, je ne sais pas, c'est du... Waouh. Ouh, Jésus de Nazareth. Quelles églises, c'est ceux de... Ce sont des temples des démons. Du gospel, gospel, gospel. Il y a technique vocale, tout ça, là, mes amis. Sorcellerie. Vous voyez ? Alors, ils ont remis à l'ordre du jour. Hein, donc, vous voyez, donc, vous avez compris. Hein, sous Moïse, pour aller rapidement, le sacerdoce était basé sur les sacrifices, le temple, le Shabbat, les fêtes de l'Éternel. Les 7, il y en avait 7. Ils en ont rajouté d'autres. Hein, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est la même chose. Beaucoup d'églises sont basées sur les sacrifices que les chrétiens doivent faire. On vous dit, pour être béni, faites 3 jours de jeûne à sec pour que ce démon sorte. 3 jours à sec, 40 jours à sec, 21 jours à sec. Sacrifice. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner que Dieu va faire. Tout est accompli, le Seigneur a dit. Avant ta naissance, il a déjà tout accompli. Oui, il faut jeûner parce qu'il nous le demande. Mais Seigneur, ce n'est pas ton jeûne qui fait quelque chose, ce n'est pas ta prière. Oui, il faut prier, mais ce n'est pas ta prière qui fait quelque chose. Dieu a déjà tout accompli. Voilà. Nous jeûnons, nous prions parce que Dieu nous demande de le faire pour obéir. C'est tout. Frères et sœurs, ils ont mis leur fondement d'aujourd'hui là, sur les sacrifices. Toutes ces offrandes qu'on vous demande bizarroïdes, là, dîmes, offrandes d'action de grâce, tout ça. Les jeûnes bizarres. Voyez ? Ils vous disent qu'il faut faire 4 heures de prière en langue. Tout ça. Ils ont basé leur ministère, leur sacerdoce sur les bâtiments qu'on appelle église. Ils ont basé leur sacerdoce sur les vêtements, l'habillement. Vous allez voir, vous rentrez dans un bâtiment d'église, vous allez facilement différencier le pasteur des autres chrétiens. Ils sont habillés, ils sont plus classe que les autres. C'est normal parce qu'ils amassent beaucoup de dîmes.
Regardez leurs femmes, comment elles sont propres. Et c'est simple, vous allez voir, ils ont les serviteurs et les servantes qui leur donnent de l'eau pendant le programme, vous voyez, ou du jus. Tandis que les autres meurent de soif, là, les langues sortent comme ça, là. Pas de problème. Eux, là, parce que les brebis, là, c'est pas grave. Et ils ont basé leur sacerdoce sur le dimanche. Il y a des pasteurs qui peuvent vous laisser prêcher la semaine, mais le dimanche, c'est pour eux-mêmes. Vous voyez, c'est le jour où le pasteur a eu la langue, sa langue devient officielle. Hein? La bouche autorisée. Et ils ont basé leur culte sur quoi? Eh bien, sur l'argent, bien sûr. Hein, les offrandes, les sacrifices, tout ça, donc l'argent, bien sûr. Et c'est grave, mes amis. C'est grave. Et ils ont aussi mis la séparation entre eux et le peuple. Comme sous Moïse. Vous voyez? Donc, du coup, beaucoup de gens se disent, je vais être comme cet homme-là parce que ça marche. Ça marche. C'est pour cela qu'il y a la compétition là-dedans. Là. Alors, frères et sœurs, Christ est venu, il a aboli tout ce système-là. Et il a fait de toi, mon frère trésor, premièrement, son temple. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il a fait de toi son sacrificateur et son roi. Amen. Terrible, hein? Quelle grâce. Troisièmement, il a fait de toi son sacrifice. Quelle grâce. Donc, tu es devenu à la fois le temple de Dieu, le sacrifice qui est sacrifié là-dedans, et le sacrificateur qui sacrifie ce sacrifice. Wow. Il a c'est une, comme on dit, trois en un. Vous voyez, non? Tout ça, là, c'est un. Donc, quand tu te balades partout, tu te balades en tant que temple, en tant que sacrifice, en tant que sacrificateur. C'est pour cela, en tant que temple, quand tu pries chez toi, même dans la rue, Dieu descend. Amen. C'est pas qu'il descend, il est toujours avec toi. Ensuite, tu te sacrifies, Seigneur, je m'offre à toi. Voilà. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Donc, le sacerdoce, la sacrificature sous Jésus, sous la grâce, consiste premièrement dans l'adoration. Amen. C'est-à-dire, c'est quoi l'adoration? Ce n'est pas le fait de chanter. Alléluia, alléluia. Non, parce que Satan aussi chante. Adorer, c'est sacrifier sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Le premier à avoir adoré dans la Bible, bien comme il faut, là, à part Adam avant sa chute, c'est Abraham. Dieu lui dit, prends ton fils, là, celui que tu aimes, va à la montagne de Morija, sacrifie-le-moi. Abraham dit à ses serviteurs, trois jours après avoir marché jusqu'à la montagne, il dit à ses serviteurs, restez ici, l'enfant et moi, nous allons adorer. Donc, on ne peut pas aller adorer Dieu les mains vides, sous la grâce, sous la loi. Aujourd'hui également, ce n'est pas avec l'argent, attention. C'est avec ton cœur. Donc, adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est offrir son cœur à Dieu. Quand Satan se baladait sur la terre là-bas, dans Job, et qu'il a croisé Job sur sa route, Job adorait Dieu. Amen. Il avait quelle chorale? Sa vie sanctifiée honorait Dieu. C'est ça l'adoration. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Or, l'esprit ne dort ni ne sommeille. Donc, même quand tu dors, tu dois adorer Dieu. Amen. Par ta vie, quand tu te regardes, dis quel fils il a adoré. Amen. Une femme te drague, tu dis non, je refuse, tu es belle, c'est vrai, mais je ne veux pas. Jésus. Dieu a adoré. Amen. Ah ouais, t'as quelle voix? Il n'y a pas de voix. Mais le fait de te sanctifier, Dieu a adoré. Amen. Adorer, c'est honorer, élever, magnifier, exalter. Oh, Jésus. Jesus Christ. Oh, alléluia. Amen. Jesus Christ. Oh. Dieu aurait dit, elle est jeune, elle est belle, mais elle se sanctifie. Amen. Pour moi. C'est ça l'adoration. Amen. Il est beau, il a beaucoup de grâce, mais il refuse de toucher à mes filles. Oh, quel homme que j'ai choisi. C'est pas grâce à toi, c'est sa grâce. Amen. Oh, c'est ça l'adoration. Tu marches avec l'adoration. C'est ça l'évangile. Nous sommes des adorateurs en permanence. Nous ronflons, nous adorons Dieu. Amen. Nous enseignons, nous adorons Dieu. Amen. Nous parlons, nous adorons Dieu. Amen. Nous prêchons, nous adorons Dieu. Amen. On nous persécute, nous bénissons, Dieu Amen. A adoré. Amen. Ah ouais, c'est ça l'évangile, frère. Vous croyez quoi? C'est pour cela, frère, au ciel, vous allez voir les adorateurs, les belles, ceux qui ont des belles voix. Là. On va les voir à l'enfer. Parce qu'ils ont cru qu'adorer, c'est avoir des techniques vocales. Amen. Whitney Houston avait une belle voix, non? Mais elle n'adorait pas Dieu. Michael Jackson, quand il chantait, les gens pleuraient. Il tombait sous l'onction. Mais il est parti en enfer. J'espère qu'il s'est converti avant. Voilà. Donc, adorer, ce n'est pas chanter.
Dieu dit là-bas dans Amos, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Amen. Éloigne le bruit de tes cantiques. Mais il n'a jamais dit, éloigne de moi ton cœur sanctifié. Amen. Jamais. Amen. Donc adorer, ce n'est pas chanter. Maintenant, c'est quoi chanter? C'est quoi les chants? Les chants ne sont que des expressions de l'adoration. Amen. Ça, c'est vrai. Un chant est une des expressions, c'est tout. Mais ce n'est pas l'expression par excellence. Amen. L'expression par excellence de l'adoration, c'est la sanctification. Mmh. C'est le sacrifice. C'est le fait de sacrifier sa vie à Dieu. Le fait de dire, Seigneur, je ne veux plus qu'un homme touche mon corps. Jamais. Dieu commence à être adoré. Amen. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que la première chose qui se passe par rapport à notre sacerdoce, c'est l'adoration. Notre corps est offert à Dieu d'abord. Notre vie est offerte à Dieu. Notre volonté est offerte à Dieu. Nous sommes sur l'autel des reins. Comme Isaac, sur l'autel. Nous mourons. C'est la mort. Là, c'est la mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Tu peux me draguer, tu ne mourras pas. Je suis un homme mort. Mon corps ne réagit plus à la drague. Ah oui? Sacrifié sur l'autel. Même quand il veut réagir, ah, il y a une onction que je saisis. Nous ne sommes pas de la descendance de Salomon. Nous ne sommes pas les Salomites. Oh, God. Nous ne sommes pas de la génération de Salomon pour avoir 1000 femmes. Non. Oh, mes amis. Nous ne sommes pas des Samsonites. Nous sommes des Judéens. Amen. Descendants de Yeshua, amen, le roi des nations. Il est dit qu'il était tenté en toutes sortes, de toutes manières, toutes sortes de manières, mais il n'a pas cédé. C'est ça, mes amis. Nous sommes morts. On nous critique, nous bénissons. La chair veut réagir. Hein. Balance. Ta chair me dit, moi les gens qui me critiquent là, j'ai des preuves, si je les balance là, ils vont tous disparaître. Mais Dieu te dit, il ne faut pas répondre coup par coup. Hein? Il faut laisser moi, je veux te justifier. Et c'est ce qu'il fait. On critique, Dieu agit, miracle, conversion, miracle, tout ça là. Et les conversions, les baptêmes, les gens sont confondus. Voilà, c'est ça la réponse du Seigneur. Voyez frère, donc, tu sais, c'est, on est mort, ici là, t'es mort, l'adoration, t'es mort. Quand on regarde le trésor, on dit trésor, il est mort. Tu rencontres ton ex dans la rue, elle se dit, ça y est, je vais me le faire comme à l'époque. Tu passes comme ça, son odeur ne te dit plus rien. Amen. D'ailleurs, elle devient, cette odeur devient nauséabonde. Irritante. Voilà, irritante. Mm-hmm. Tu la vois, tu te dis, qu'est-ce qu'elle est moche. Hein? Parce que Dieu te montre son cœur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Mais est-ce que c'est moi qui suis sorti avec ce monsieur-là? Voilà, avec cet homme, cette femme. Voilà, t'es mort. On te donne un cousin. Ah, non, je suis mort. Considérez-vous, Paul dit, comme mort Amen. Au péché. J'aime cette parole-là. Amen. Ah, le péché n'aura plus aucun pouvoir sur vous. C'est ça l'adoration. Le premier point, ça commence par là. Il ne faut pas d'abord commencer par la communion fraternelle. Mm-hmm. C'est pour cela qu'il ne faut pas d'abord montrer aux gens les églises Amen. Lors de leur conversion. Mm-hmm. Montrez-leur Jésus. Amen. C'est la base. Il faut d'abord qu'ils rencontrent Jésus. Amen. S'ils rencontrent d'abord les pasteurs, ils ne vont pas se convertir bien comme il faut. Mm-hmm. Non. Celui qui a rencontré d'abord Jésus, il ne sera pas dépendant d'une église locale. Non, il sera dépendant du royaume de Dieu. C'est ça l'évangile, mes amis. Donc c'est d'abord le royaume. Là, l'adoration, c'est la mort. Tu meurs. C'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? Là, c'est le front. Le front, c'est l'holocauste. C'est la seule offrande, n'est-ce pas, à laquelle les sacrificateurs n'avaient pas droit. Elle était totalement consumée. Parce que Dieu est jaloux. Dieu te prend, il te consume. Tout ce que tu as, tout consume. Donc tu peux avoir une grande onction et avoir des claquettes. Amen. Parce que tu es mort. Oh my God, c'est magnifique frère, c'est magnifique. Tu es mort. Ensuite, quand tu prends seulement un instrument pour adorer, parce que l'onction est sur toi, parce que tu es mort, la gloire se manifeste. Quand tu ouvres la bouche, le feu tombe sur les frères et sœurs, parce que tu es un homme mort. Le sel, là c'est le sel. Le sel, pour avoir la saveur Amen. Du sel, il faut d'abord qu'il disparaisse, qu'il se dissolve dans la soupe. Hein? Sinon, il n'y a pas de saveur. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Écoutez, quand vous mangez un mets succulent, cherchez le sel là-dedans, vous n'allez pas le voir. Mais pourtant, le goût atteste que le sel est passé par là. C'est ça qu'il faut comprendre. Le sel est invisible, mais le goût est... Tu le sens.
C'est pour ça que les vrais chrétiens qui adorent le Père, en esprit, en vérité, ils sont invisibles aux démons. Ils ne le voient pas, mais ils sentent qu'ils sont là. Jesus Christ. Quand tu arrives dans un pays, dans une ville, tout est bousculé. On dit, mais qui passe par ici? On dit, c'est un roi. Mais quand le roi, roi et sacrificateur, mais c'est qui? Il est mort. Il est invisible. On dit, c'est trésor, mais pour aller l'attraper maintenant. Invisible. On t'entend quand tu parles avec ta femme, tout ça, là, les enfants, tout le monde. Les démons entendent, les sorciers entendent, mais pour t'attraper, tu es invisible. Parce que dans le monde invisible des démons, il y a aussi un monde invisible à leur monde. Amen. C'est le monde de notre Père. Amen. Oh, Jésus, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. T'es mort, t'es comme le sel de la terre. Tu es dissous. Voilà. Quand tu arrives quelque part, tu donnes le goût. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que comme tu es du sel, maintenant, toutes les femmes, la plupart des femmes vont commencer à te convoiter. Parce que tu as du sel avec toi là. C'est pas toi qui es beau, c'est le sel qui te rend beau. Ce n'est pas ce n'est pas les haricots qui sont bons. C'est le sel. Mange les haricots sans sel. Fade. Mais pourtant, c'est les haricots. C'est le repas que tu aimes. Mais il n'y a pas le sel. Donc, si les gens viennent ici, c'est pas parce que Chora est beau. Le problème, c'est pas Chora. Le problème, pourquoi les gens m'attaquent comme ça? C'est pas Chora. Chora est petit, il est mince, il est tout ce que tu veux. Il est chauve bientôt, là, il est complètement machin. C'est le sel qui donne le goût. Le sel attire de tout. Parce que tout le monde veut le sel. Les blancs veulent le sel. Les noirs veulent le sel. Les arabes veulent le sel. Les chinois veulent le sel. Les pygmées veulent le sel. Les grands, les frères, tout ça, tout le monde veut le sel. Voilà pourquoi quand une personne est touchée par le sel Yeshua, automatiquement les nations viennent. Voilà. Et le sel est l'aliment qui maintient le repas, la nourriture, qui la protège contre la putréfaction. Est un aliment qui conserve la nourriture. Donc nous sommes des conservateurs. Alléluia. Quand j'arrive quelque part, les enfants de Dieu conservent leur sanctification. Amen. Yes. Oh God. Jesus Christ. Le sel. Là où on arrive, là où les gens étaient abattus. Quand on ouvre la bouche, les gens sont requinqués. Ils sont complètement reboostés. Ils ont les vitamines A, B, C, D, aïe, aïe, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Voilà. C'est ça le message, frère. Alléluia. Ouf. J'aime l'évangile. Nous salons le monde. Nous salons la terre. Nous salons, oh, alléluia. Jésus. Jesus Christ. C'est ça le premier point. Tu arrives dans un ministère où il y a la mort. Tu ouvres seulement la bouche. Les démons commencent. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Le seul est arrivé. Jésus. Alors les sorciers, les jaloux, ils vont t'attaquer. Le jour où tu perds le sel, ils t'oublient. Ils vont parler de toi au passé. Mais s'ils ne veulent pas te lâcher, s'ils veulent à tout prix te voir, alors qu'ils te critiquent parce qu'ils n'ont plus le sel. Et beaucoup vont dire, non, c'est un orgueilleux, il ne veut pas les gens. Non, c'est parce qu'il veut protéger le sel, frère. Et les gens qui n'ont pas le sel, quand ils vont venir, ils vont avoir le sel. Ils repartent avec le sel, c'est ça le réveil. Ils repartent avec le sel. C'est ça. C'est ça. Manger du riz sans sel. Jamais. Manger les haricots sans sel. Même la salade, là, parfois, la sauce là, pour la salade, là, salée. Tout est salable, mes amis. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et là, Dieu nous apprend, pris là, il nous a salé bien comme il faut. Salé bien comme il faut, là. Comme il est dit dans Lévitique 16, là. Je passais par là, je t'ai vu dans ton sang, baigné dans ton sang, je t'ai salé. Lavé, nettoyé. Ah ouais. Est-ce que vous savez, dans la Bible, il y avait l'alliance du sel? C'est écrit. Frère, c'est terrible. Là, tu adores, tu es mort. Quand tu passes comme ça, les gens, même les anges disent, oh, c'est l'enfant du roi, la fille du roi. Là, c'est le premier point de notre sacerdoce. Tu t'approches du Père tout le temps. Père, me voici. Sous la douche, Père, me voici. Dans la cuisine, Père, me voici. Dans la rue, Père, me voici. Dans ta voiture, Père, me voici. Je t'aime, papa. L'onction te saisit, tu pleures. Je t'aime, mon Père, partout. Voilà, dans l'avion, Père, me voici. Partout. L'adoration, c'est la base. Celui qui a cette intimité avec le Père, dans le lieu secret, tiendra ferme aux attaques. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, là, c'est la communion. Une fois que tu as bien pris, tu as pris racine, comme un arbre qu'on a planté, avant de monter, qu'est-ce qu'il fait? La graine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enracine sous terre. C'est ça, la communion, l'adoration. Il faut s'enraciner en Christ, comme Paul dit.
il faut s'enraciner. Et ensuite, il y a la communion avec les frères et sœurs. Ne cherchez pas d'abord à avoir une communion avec les frères et sœurs si vous n'avez pas une communion avec Dieu. Parce que si c'est des faux frères, ils vont vous dérouter. Si c'est des faux pasteurs, ils vont vous blesser et vous éloigner de Dieu. Mais si vous avez une bonne communion, même si vous faites, vous rencontrez des faux chrétiens, des faux pasteurs, des faux prophètes, même s'ils vous déçoivent, vous n'allez pas abandonner la foi parce que vous avez une bonne communion avec le Père. Voilà. Et si vous avez une bonne communion avec le Père et que vous rencontrez par la suite les faux chrétiens, vous aurez facilement le discernement. Voilà, ça se sent. Quelqu'un qui est faux, si vous avez une bonne communion, Dieu vous donnera le discernement. Ça se sent, non, mais ce type-là n'est pas correct. Voilà. Et là, bah, avec la grâce que Dieu te donne, la force que tu reçois, tu peux facilement exercer tes dons. C'est pour cela que Dieu nous a donné les dons de l'esprit. Vous voyez ? Notamment à la prophétie. Parce que le don de parler en langue, c'est pour prier le Père. Le don de prophétie, ce n'est pas pour prier, prophétiser sur Dieu, c'est pour parler aux hommes. Vous voyez ? Et là, tu reçois de Dieu pour partager avec les frères et sœurs, pour exhorter. C'est pour cela que la plupart des verbes que Paul va utiliser pour parler aux frères et sœurs, ce sont des verbes pronominaux, hein, qui se conjuguent avec deux pronoms personnels. Donc, aimez-vous les uns les autres. Hein, donc, exhortez-vous les uns les autres. Il y a toujours cette notion des uns et des autres. Donc, tu donnes de l'argent à un pasteur, lui aussi un jour, il doit te donner de l'argent. Voilà, parce que s'il ne donne jamais de l'argent aux autres, c'est que c'est un voleur. Voilà. Il prend, qu'est-ce qu'il lui va donner. Aujourd'hui, les fêtes, les églises sont basées sur les fêtes. L'anniversaire de l'église. Notre église a totalisé 2 ans. Oh, quelle grâce! Mais il faut leur rappeler que l'église, ça fait 2000 ans qu'elle existe. Hein. Wow! Jesus Christ. Et en plus de l'anniversaire de l'église, il y a l'anniversaire du pasteur. Attention. Joyeux na 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 papa, joyeux na 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 papa. Donc quand est-ce que lui maintenant va aussi faire joyeux année à mon fils, enfin mon fils encore. Arnaque. De toute façon, moi je ne cherche plus d'amis. Je ne cherche même plus à ce que les gens ne me critiquent plus. Ça ne m'intéresse plus. Dites, faites tout ce que vous voulez. Vous avez affaire à un fou. Voilà. Avec les frères et sœurs, une bonne communion qui s'établit. On s'encourage, on se fortifie. Donc, ça veut dire quoi, Salomon, mon frère? Ça veut dire qu'ici, là, il n'y a aucun homme qui est au-dessus de nous. Aucun apôtre, aucun prophète. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, nous sommes tous égaux. Tous égaux. Certes, parmi ces frères et sœurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des diacres, il y a des anciens. Il y en a qui ont le don de guérison, comme Romain le dit, Romain 12. Il y en a qui ont le don pour exhorter, pour encourager, pour exercer la compassion, n'est-ce pas? Et d'autres pour guérir, selon 1 Corinthiens 12, 28 à 33. D'autres pour soigner, pour faire des délivrances. Donc Dieu, selon 1 Corinthiens 12, a donné des dons différents aux frères et sœurs. Nous sommes un corps. Là, c'est l'exercice, n'est-ce pas, corporel. C'est-à-dire, les dons différents que le Seigneur a départis aux uns aux autres, c'est pour créer une interdépendance les uns envers les autres. Ce n'est pas pour créer une ascendance des uns sur les autres. Non, c'est pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une communion fraternelle. Cette communion-là, verticale, elle est horizontale. Horizontale. La seule relation verticale, c'est celle que nous avons avec le Père. De l'homme à Dieu. Et entre le Père et nous, il y a Yeshua, l'homme. Et entre chrétiens et pasteurs, tout ça là, prophètes, apôtres, tout ça qui sont des chrétiens aussi, c'est une relation horizontale. C'est-à-dire, nous sommes tous au même niveau. Enfants de Dieu. Maintenant, un apôtre, un prophète n'est pas au-dessus. Non, c'est des fonctions que Dieu a données aux uns aux autres, dans lesquelles il nous a établis pour être au service des uns et des autres. Voilà pourquoi Paul disait que des chrétiens ont se prié pour lui, l'exhortaient aussi. Donc, vous voyez, il ne se mettait pas au-dessus, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Ou quand on parle du mot ministère, ministre, on fait référence ou allusion automatiquement au pasteur. C'est une déformation de ce terme-là.
C'est grave. Donc, tous égaux ici. C'est la seule chose qui nous différencie, ce sont nos fonctions. Vous voyez, simplement, nos fonctions. C'est pour cela que je ne dois pas me mettre au-dessus de vous. Ce n'est pas parce que Dieu m'a donné la grâce d'implanter dans le passé plusieurs assemblées ici et là, ou comme il le fait aujourd'hui, où il y a beaucoup de chrétiens dans le monde entier qui sont touchés par ce message, que je dois commencer à me mettre au-dessus. Non, nous sommes frères et sœurs, vous voyez, on est au même niveau, et c'est des grâces simplement qui nous diffèrent. Et c'est tout. Et ensuite, la troisième, donc ici comme on a vu, hein, donc c'est parler avec les dons que Dieu nous a donnés, qu'on s'exhorte. Donc 1 Corinthiens 12, Romains 12, n'est-ce pas? Donc voilà, Éphésiens 4, 11 hein, à 15. Et on s'exhorte comme ça avec le don de prophétie, parole de connaissance, vision, songe. On s'avertit mutuellement, tout ça. On prie les uns pour les autres. On partage. Il y a la communion fraternelle. On peut manger un repas ensemble, les agapes, tout ça. Ça fait partie de la communion fraternelle. Maintenant, si une communion fraternelle commence à vous sortir de votre présence, de la présence du Père, vous devez sortir de là. C'est-à-dire une assemblée qui vous éloigne de votre intimité avec Dieu, quittez cette assemblée. Un mari qui vous empêche d'être libre, qui veut absolument vous enfermer dans votre maison pour vous contrôler, il devient un gourou, un dictateur, vous devez l'avertir s'il continue. Eh bien, vous devez, mes amis, là, si vous êtes dans une assemblée, parler de ce problème aux frères et sœurs qui vont pouvoir vous soutenir. Donc, tout homme, toute assemblée qui veut, qui cherche à vous éloigner de Dieu, vous devez, frères et sœurs, prier et faire attention. Surtout si c'est une assemblée, avertissez les dirigeants, les frères et sœurs, s'ils ne veulent pas, eh bien, vous avez le droit de la quitter pour protéger votre éternité. C'est votre salut, c'est de votre salut dont il est question. Voilà. Parce que Paul nous, Hébreux 11 nous dit, Hébreux 10, au verset 24, Hébreux 10, 25, 24, on nous dit que vous devez vous assembler pour vous exhorter, hein, donc aux bonnes œuvres. Hein, donc pour vous exhorter, vous encourager à la pratique des bonnes œuvres. Donc une assemblée qui ne vous pousse pas à la pratique de bonnes œuvres, une communion fraternelle avec les frères et sœurs, qui ne vous pousse pas à chercher Dieu, à aimer Dieu, à craindre Dieu, à méditer sa parole. Un pasteur, un enseignant, un prophète qui ne vous pousse pas à aller vérifier vous-même dans les Écritures les choses, c'est qu'il veut vous éloigner de Dieu. Faites attention parce qu'il peut vous emmener en enfer. Vous pouvez, quand c'est comme ça, le quitter. C'est votre droit. Protégez votre vie. Protégez vos femmes, vos enfants, vos maris. C'est important. Pas de sentiment, frère. Le Seigneur revient. Et ensuite, troisièmement, on exerce notre sacrificature dans le monde, envers les païens, de manière suivante. Dans le monde, à l'école, au travail, nous côtoyons les gens du monde. Paul dit que nous ne devons pas couper définitivement avec eux, parce qu'on les côtoie tous les jours. Autrement, il faudrait sortir du monde. On va à l'école, on côtoie les gens. On a des copains, des copines à l'école, pour ceux qui sont à l'école, au travail, des collègues. Alors, il ne faudrait pas, bien sûr, se mélanger à eux dans leur discussion, stérile, tout ça. Et quand ça ne produit rien, quand c'est des propos, mes amis, incohérents, des propos insensés ou impudiques. Par contre, par notre vie sanctifiée, par notre manière de parler, par notre manière de nous vêtir, nous pouvons, n'est-ce pas, les interpeller. Avant de témoigner, avant d'ouvrir la bouche, notre manière d'être, notre manière de nous coiffer, nous habiller, parler, notre manière. Donc voilà, notre apparence aussi, c'est important. Voilà, parce qu'une chrétienne qui s'habille comme une prostituée, qu'est-ce qu'elle va? Elle va toucher les prostituées. Ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'il y ait une tenue décente, parce que les gens du monde doivent voir quand même une différence entre nous et eux. Voilà, donc notre manière d'être, voilà, notre manière de parler. Et ensuite, quand on ouvre aussi la bouche pour témoigner, il faut témoigner, proclamer l'évangile. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul dit, nous sommes des lettres de Christ. C'est-à-dire des épistolés en grec qui signifient message et non des messagers. Nous sommes des messages. Notre vie, nos vies doivent être des messages. Voilà. Aimez-vous les uns les autres, aimez les hommes et priez pour chacun, priez pour les uns les autres. Tout ça. Et quand les gens vont nous voir, ils vont se dire, vous êtes différents. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Tout ça, vous n'êtes pas comme les autres.
Voilà. Vous n'êtes pas en panique. Vous êtes calme. Vous êtes doux. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que vous allez commencer à dire, ben voilà, je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. Je suis son serviteur, sa servante. Et il m'enseigne sa parole. Ah ben, j'aimerais bien avoir ce que tu as. Est-ce que comment faire pour pouvoir l'avoir? Eh ben, voilà. Ne dis pas, viens dans mon assemblée. Ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Vous allez l'amener à l'assemblée. Il va entendre là-bas le bishop qui dit, amenez la dîme, sinon vous serez maudit. Vous allez le faire fuir. Il va entendre le bishop, mettez le foulard, sinon vous irez en enfer. Il va fuir. Ou elle va fuir, c'est une femme. Amenez-la à la Bible, à Dieu. Offrez-lui ou offrez-la, n'est-ce pas? Offrez-leur une Bible et priez, partagez avec eux. Une fois qu'ils seront suffisamment bien mûrs, formés, suivis, eh bien, vous allez commencer maintenant. Si ils souhaitent aller là où vous priez, alors il n'y a pas de problème. Il faudrait quand même les avertir, leur dire, vous risquez de trouver que certains ne sont pas corrects. Alors il ne faudrait pas vous prêter attention parce que la Bible dit qu'il y a livré aussi. Donc il faut les préparer dans ce sens. Amen. Voilà. Sinon, nous sommes dans ce sacerdoce. Donc du coup, ben, si vous voulez vous marier, vous n'avez plus besoin d'aller voir un pasteur pour qu'il vous bénisse. Vos familles, le maire, ça suffit. Si vous voulez qu'il y ait une prédication, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous-même prêcher. Voilà. Bah oui. Quelle grâce. Donc, les baptêmes, vous pouvez aussi vous-même le prodiguer. Vous pouvez vous-même baptiser les gens. Parce que dans Jean 4, c'était tous les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. Vous voyez? Quelle grâce. Là, on vous rend ce qu'on vous a volé. Votre service, votre sacerdoce. Pour évangéliser, vous n'avez pas besoin qu'un pasteur soit au courant. Non. Vous pouvez témoigner, aller témoigner de Christ partout. Vous voyez? Et c'est ça qui est magnifique. Nous sommes un peuple libre pour servir son Dieu librement, frères et sœurs. Et donc nous sommes des missionnaires en permanence. Partout où nous sommes des missionnaires. Voilà. Ce n'est pas seulement un jour qu'on choisit comme ça pour aller évangéliser. C'est tous les jours. Tous les jours. Et je me rends compte... Personnellement, partout où je vais, je dois vraiment veiller parce que une fois j'allais en mission, j'arrive à l'aéroport, c'était à Orly, à l'aéroport d'Orly. Et vous savez, les femmes qui travaillent, les personnes qui travaillent au comptoir, là, c'est pour. Voilà. Et il y a une femme d'origine maghrébine qui m'a reconnu. Et elle a dit, mais t'es pas Chora Kouetou? Ici. Et je me suis dit, et si je m'étais énervé parce que quelqu'un m'avait bousculé? Vous vous rendez compte le témoignage, hein? Tu as vécu ça, hein? Voilà. Dans un pays étranger. Voilà. Donc, comme souvent comme ça, les gens te reconnaissent. Eh ben, on te voit sur YouTube, tout ça. Là. Donc, du coup, je me dis, mes amis, là, le témoignage, c'est. Et c'est là, c'est le témoignage. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. C'est-à-dire que les gens disent que Trésor est un impudique, c'est pas grave, mais qu'on ne te trouve pas dedans. C'est ça le problème, le témoignage. Qu'on dise, oui, j'aurai une villa en Suisse, gloire à Dieu, mais qu'on ne te trouve pas avec une villa là-bas. Même si c'était vrai, j'ai volé l'argent de qui? Personne. C'est pas interdit d'acheter une maison. Donc, on laisse les chiens aboyer. Maintenant, voilà, le témoignage. Gardez votre témoignage, mes amis. Gardez votre témoignage. Parce que si vous prenez une femme, vous commencez à la toucher, à la caresser dans un petit coin caché, peut-être même que Dieu va permettre à ce qu'un frère passe par là. Comment vous allez réagir? Il y a des gens, des frères qui sont repartis dans le monde, qui se sont retrouvés dans une boîte de nuit, et ils ont trouvé les âmes qu'ils dirigeaient avant. Et ces personnes leur ont dit, vous aussi, vous êtes ici. Vous êtes mais vous savez que... Apostasie. C'est pour ça qu'il faut... toi aussi, tu es descendu dans la fosse. Ça, c'est Lucifer. Les gens nous disent, toi aussi, tu es descendu ici. Le témoignage. Nous sommes ministres de Dieu, tous. Nous sommes sacrificateurs. Nous sommes rois. Alors, en tant que roi, il y a une attitude à avoir. Hein? Donc, un comportement à avoir. Que Dieu soit béni. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous appeler pour poser juste une question, frères et sœurs. Je ne sais pas si c'est assez clair. Non, une question? Vas-y. J'ai quand même une question. C'est par rapport aux femmes, en fait. D'accord. Parce que moi,
c'est pas basé sur des versets, mais j'ai toujours pensé que une femme ne pouvait pas avoir l'autorité dans l'église d'un pasteur ou d'un apôtre. Et en fait, la dernière fois, je parlais avec des frères. Et justement, il y en a un qui m'a dit, qui m'a donné le verset de tout à l'heure, qu'il n'y a plus ni femme, ni homme, ni tout ça. En fait, ce verset-là est mal compris. La preuve, ce frère qui t'a dit ça, il est, c'est un homme, non? Oui. Il est marié? Ça, je ne sais pas, je ne le connais pas, en fait. Je ne le connais pas. Alors, pose-lui la question s'il est marié. S'il n'est pas marié, demande-lui. Auras-tu besoin d'une femme? S'il te répond oui, alors il faudrait lui rappeler que les femmes existent encore. Parce que si on prend ce verset littéralement, cela veut dire qu'il n'y a plus de sexe. Non, mais en fait, lui, il disait ça dans l'église. Mais justement, dans l'église, il y a toujours des femmes. Parce que Paul dit que vos femmes se taisent. Donc, il y a toujours des femmes. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Paul voulait dire ceci. Il voulait dire ceci. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Christ. C'est-à-dire que, sous la loi de Moïse, il y avait le parvis des femmes et le parvis des hommes. Et un autre parvis pour les étrangers. Donc, il y avait une séparation. Maintenant, en Christ, femmes et hommes sont mélangés, ils peuvent prier ensemble. C'est ça? Donc, il n'y a plus de séparation, en fait. Paul n'a pas dit qu'il n'y a plus de sexe. Il parle de la séparation entre étrangers et entre blancs et noirs. Donc, blancs et noirs, jeunes, marrons, arabes, métis, ils peuvent tous prier ensemble. Parce que le mur de séparation a été brisé. C'est ce que Paul voulait dire, simplement. C'est par rapport à la division. Voilà. Lié ou dû à la différence des sexes, différence linguistique, raciale, tout ça. Le Seigneur a brisé cela. C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc ça veut dire qu'une femme ne peut pas être pasteur, non? Apôtre ou pasteur. Non, parce qu'on n'a pas vu. On a vu une femme apôtresse, apôtre, Junius et Andronicus, il y avait son mari à côté, mais de là à se mettre à diriger une église comme ça, ou un homme dirigé seul, non. Parce qu'il m'a donné l'exemple de Déborah. Oui, Déborah, ce n'était pas au temps de l'église. Déborah a associé Barak avec elle. Elle-même le disait. Voilà. Mais attention, les femmes ont un rôle à jouer. Bien sûr, les femmes peuvent exhorter, travailler, apporter l'enseignement inspiré, ça, c'est pas un problème. Mais de là à la mettre au-dessus des hommes pour diriger une église, c'est pas ce que Dieu a prévu. Mais même un homme seul à la tête d'une église locale, il va devenir vite fait un gourou. Voilà. Mais une femme peut avoir un ministère pour crier ici et là, apporter la parole ici et là, et exhorter avec son mari si elle est mariée, bien sûr. C'est encourager qu'elle soit dans ce cas-là mariée. Bien sûr, pas de problème. Tu peux. Qu'est-ce que c'est la liberté en Christ? La liberté en Christ, c'est le fait de ne plus être libre par soi-même. C'est le fait de ne plus faire ce que l'on veut. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ t'empêche de faire ce que ta chair veut. Ma chair me dit, désobéis, comment? Insulte tes trésors. Si je suis libre en Christ, je dois refuser. C'est-à-dire la liberté en Christ me donne l'autorité, le pouvoir pour respecter la parole de Dieu. La parole qui dit, honore la personne du vieillard. Donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui est plus âgé que moi, je dois l'honorer comme la parole me le demande. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est le fait de dire, de ne pas convoiter parce que la parole me l'interdit. Donc cette liberté n'est rien d'autre que la mort de la chair. Donc est-ce que dans cette même liberté, tout chrétien a le droit d'avoir sa vie privée, a le droit de vivre sa vie en conformité avec la parole bien sûr, mais peut aussi avoir, il peut entreprendre quoi. Entreprendre quoi? Dans la vie. Les bien choses. Sûr. Donc je peux lire mon verset. Alors. Bien sûr. 1 Corinthiens 9, le verset 1er. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Paul était accusé. Oui. Donc quand on accuse Chora, les gens tremblent. C'est vrai. Je ne dis pas que je suis comme Paul, attention. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas? N'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Parce qu'aujourd'hui, des fois...
on a l'impression que lorsque Dieu appelle un homme, cet homme, en fait, doit ériger sa vie selon ce que les hommes voient. Mm-hmm. Comme s'il ne peut plus avoir, en fait, une vie personnelle dans son côté, en fait. Comme s'il faut qu'il modèle sa vie selon ce que les hommes vont dire. Et quand ça ne cadre pas avec les hommes, on dit, oh, vas-y, il est gourou, il est ceci. Si tu me dis, Dieu me dit de ne pas travailler dans le monde pour m'occuper de son œuvre, je te dirais, c'est, si Dieu te l'a dit, qu'est-ce que tu veux que je... Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc c'est aussi biblique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je te dirais, ne viens pas me voir pour me transformer en patron, pour m'exiger un salaire. Ou ne va pas demander de l'argent à tout le monde. Parce que si Dieu te demande à être à plein temps dans son œuvre, quoi que nous sommes tous à plein temps, tous les chrétiens sont à plein temps, parce que je ne vois pas un chrétien à qui Dieu demanderait d'évangéliser et qui dirait au Seigneur, je suis à temps partiel. Donc, maintenant, ne transforme pas les autres personnes en patron. Ouais. Tu t'attends à celui qui t'a appelé et prendra soin de toi. Dans ce cas-là, oui. Mais toutefois, Paul, qui était à plein temps dans l'œuvre, de temps à autre, il entreprenait des choses, il baptisait de tentes pour éviter d'être au service des... À la charge des autres. Donc Paul avait une vie, notamment il dit les mains que vous voyez ont pourvu aux besoins. Voilà, bien sûr. C'est juste sur ce point-là en fait, parce que des fois il y a une confusion, parce que pour beaucoup de chrétiens, dès que Dieu appelle un homme, il est obligé d'être, à plein temps où il c'est grave. Voilà, il n'a plus de vie, comme s'il peut pas acheter par exemple un appartement. Et c'est pour ça qu'on a dit que moi je suis ton bailleur. Oui, apparemment. Bon, que ton appartement m'appartient. Oui, je ne savais pas. Ça, moi non plus, j'ai découvert ça. Peut-être que c'est une prophétie. Je ne sais pas, peut-être. Voilà. Donc beaucoup de chrétiens pensent effectivement que quand on est chrétien, on ne doit plus acheter une maison. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Non. Tu peux acheter ta maison, mais si c'est ton argent, mais si tu n'as pas volé, où est le problème? Où est le problème? Et c'est pour cela que beaucoup veulent voir, je serai avec des maisons partout. J'ai 4 maisons apparemment. J'aurai 4 maisons apparemment à Kinshasa. Je ne sais pas. J'attends toujours qu'ils amènent les photos parce qu'ils sont capables aussi d'aller prendre des photos des maisons à Kinshasa pour dire ce sont ces maisons à lui. Tellement que ils ne savent plus quoi dire. Donc, et honnêtement, c'est comme si effectivement, Chora n'a pas non plus le droit d'avoir un appartement acheté. Quoique je n'ai pas d'appartement acheté. Mais c'est comme si on dit, toi, tu dois rester comme ça. Non, mais c'est une mentalité quand même. C'est quelque chose comme mentalité. Là. Voilà. Donc, si Dieu t'appelle, c'est ta vie. Tu as ta vie privée. Dès l'instant où tu ne voles pas l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi, c'est ta vie privée. Voilà. Merci pour l'éclairage. Que Dieu soit béni.